Bonsoir mesdames et messieurs, mon nom c'est Nala, on est à l'hôtel de ville de Longueuil, à la soirée reconnaissance bénévole jeunesse, et venez avec moi, on va aller rencontrer les jeunes. Salut, comment ça va? Bien, vous? Ça va bien, merci. Comment tu t'appelles? Zainab Monceau. Où est-ce que je fais mon bénévolat? Ben, j'en ai fait dans plusieurs endroits. Friperie, fait du tutorat, les danses de la ville de Longueuil. Je trouve que ça nous rassemble en une communauté, puis ça permet de développer la qualité d'altruisme, puis de vraiment s'aider entre nous. Moi, c'est avec la RSEQ, Cross Country du parc régional ici, Michel Chartrand. Ben, moi, la fois où est-ce que j'y étais allé, j'étais une mascotte. Puis j'ai trouvé ça vraiment drôle, puis c'était vraiment amusant parce que comme je devais aller voir les enfants puis tout, puis genre le vrai challenge c'était de pas parler parce que ben, j'aime parler forcément. Félicitations, cette soirée c'est pour vous. S'il vous plaît, profitez de l'œuvre collective, allez vous chercher des petits chips et partagez quand même avec moi parce que j'ai faim aussi là. Alors comment tu t'appelles? Dounia. Je suis comme une mini-entraîneur pour les petits âgés de entre 3 et 12 ans. Je les apprends à patiner, je les corrige. J'aime vraiment faire ma passion puis genre pouvoir transmettre ma passion à d'autres personnes. Je m'appelle Laurie. OK, et où est-ce que tu fais ton bénévolat? Je l'ai fait au Club Optimiste de La Flèche. Ben, en général, on fait un cinéma qui est à tous les vendredis, une fois par mois. C'est un film qui est gratuit, c'est ouvert à tous. Je vous invite à venir. Bonsoir, comment ça va? Bien, bien. Et Julien, où est-ce que tu fais ton bénévolat? Au centre Citado Roger Doucet. C'est quoi les tâches que tu fais là-bas comme bénévole? Ben, chaque fois qu'il y a une activité dehors du centre, je vais pour aider. J'aide souvent les moniteurs à faire n'importe quoi qu'ils veulent. Christine, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu fais ton bénévolat? Je fais du bénévolat au Club Olympia à Longueuil d'Escrime. Ben, lors de leur compétition, la Coupe IMEX, ben, je suis au stand où est-ce qu'ils vendent des collations et des sandwichs. Et selon toi, qu'est-ce que ça apporte le bénévolat que tu fais? Ben, je trouve que genre, c'est très important d'aider les gens et que genre, ça montre que tu peux aider dans une communauté et que genre, tu importes. On est les trois les cheveux frisés, là! Peux-tu nous faire, on fait-tu une pause, les filles? Ok, c'est bon! Maëlle, où est-ce que tu fais ton orga... Pour la ville de Longueuil, pour Saint-Bruno, pour les courses gourmandes, j'en fais un peu partout. Et où est-ce que tu fais du bénévolat? Hein? Tu fais ton bénévolat où? Au cadet terre. Ok, wow, félicitations, c'est bon! Est-ce que tu peux me dire quelques tâches que tu fais là-bas? Des fois, on fait des bénévolats au maxi, des fois partout. OK, donc ça varie un peu, là. Ouais. Faites un peu de tout. Ouais. OK, parfait. Ça fait combien de temps que tu es dans les cadets? Un an et demi. Oh, wow, c'est bon. Et selon toi, c'est quoi l'impact que le bénévolat a sur l'organisme? Comment dire? C'est trop bien. Ça aide beaucoup. Mais merci beaucoup. Passe une excellente soirée. Bye! Alors, un grand merci à toutes nos bénévoles jeunesse. On vous attend l'année prochaine. Bonne soirée!